dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo super spéciale, déjà parce que je suis malade. Alors, vous devez voir Marine Light juste là, ici, là. Et vous devez vous dire, mais pourquoi elle tourne pas sur sa ring light aujourd'hui? Parce qu'elle est cassée en fait. Et aussi, bah, déjà, je suis malade. Bah, je pense que vous avez dû remarquer déjà. Parce que je suis en pyjama, j'ai pas mes cheveux coiffés. Donc voilà. Oui, j'ai eu la flemme, mais je savais qu'il fallait que je la tourne cette vidéo, sinon j'allais tout oublier. Donc voilà, désolée. Je vous préviens, je suis malade. Donc désolée si je tousse, j'éternue ou quoi. J'avais pas le Covid, j'ai été testée négative. Ok, donc ça va être une vidéo spéciale parce que ça va être des 20 faits sur moi. C'est parti! Alors j'avais déjà fait cette vidéo, mais au tout début de ma chaîne YouTube, et franchement ça a bien changé. Genre ouais, tout a changé en fait, donc bon, c'est parti. Alors donc en fait le premier fait, et c'est une question qu'on me pose super souvent, c'est quelle est ma couleur préférée? Bah du coup c'est plus le rose, c'est le rouge. Ensuite ma youtubeuse préférée plutôt, franchement c'est Nicolas Mind YouTube. Franchement ces vidéos elles sont trop bien, j'adore. Ensuite mes deux passions sont l'astronomie, et le Turing bâton, bah ça vous le savez je pense. L'astronomie ça a toujours été, mais je crois que je ne l'avais pas dit dans mes derniers faits. J'ai toujours une sœur qui a 15 ans maintenant. Moi j'ai 13. Je suis très petite, je mesure 1m45 et demi. Donc oui, 1m45 et demi, oui, ça existe. En fait je suis entre 1m45 et 1m46, donc je suis très 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 petite. Je suis donc en quatrième, j'ai jamais redoublé ni sauté de classe. Je suis une 2008, 14-09-08. J'ai Insta, TikTok, YouTube. J'ai Facebook, mais j'ai pas. En fait, je compte pas mes faits. Ok, donc le premier fait sur moi, c'est mon prénom. Bah, je m'appelle Mayane, mais ça, c'est pas vraiment un fait en fait. Donc le premier fait sur moi, c'est ma couleur préférée, c'est le rouge. Deuxième fait, j'ai 13 ans. Troisième fait, je suis née le 14 septembre 2008, donc je suis une 2008. Quatrième fait, je suis en quatrième, j'ai jamais sauté ni redoublé de classe. Le cinquième fait, c'est que je suis très petite, je mesure à peine 1m46, je suis entre le 45 et le 46, donc je mesure 1m45 et demi d'après mon médecin. Donc je suis donc très petite, bon là je suis pas debout quand même, faut pas pousser. Cinquième fait, mes deux passions sont l'astronomie et l'espace, j'allais dire. Et le Turing bâton, donc l'astronomie, astrologie, etc. Tout rentre. Sixième fait, j'ai toujours une grande sœur qui a 15 ans. Septième fait, j'ai trois animaux, un chien, un chat, un cochon d'Inde. Alors, septième fait, j'ai une meilleure amie, mais c'est plus la même qu'en sixième, etc. Quand je vous avais tourné ma vidéo. Donc maintenant elle s'appelle Johanna, c'est vraiment the best fille cette fille, vraiment je l'adore, c'est la meilleure, la fille en qui j'ai le plus confiance au monde. Huitième fait, j'ai ma chaîne YouTube qui a énormément augmenté, j'ai fait, d'ailleurs je vous prépare une vidéo, ça c'est pas vraiment un fait, mais je vous prépare une vidéo spéciale pour les 600 abonnés. Donc vous verrez, franchement j'espère que ça va vous plaire parce que je la prépare depuis longtemps, mais il faut que je la tourne, donc voilà. 9e fait, c'est aussi une de mes passions, mais je ne l'ai pas mis dans mes passions, c'est la lecture, le dessin, l'écriture. Alors, donc ça va rentrer dans le 10e fait. Donc attendez, avant de vous dire le 10e fait, j'adore lire, écrire et dessiner, tout simplement parce que ça libère mon imagination, ma créativité. Donc voilà, 10e fait du coup. J'adore les mangas. Les mangas, c'est ce que je préfère lire en fait, je trouve. J'en ai pas mal quand même. Donc d'ailleurs, vous le verrez dans mon room tour. Que je sais, je vous l'ai promis il y a longtemps, mais elle arrive la vidéo room tour. D'ailleurs, je pense que je vais la tourner aujourd'hui. Parce que là, je me suis fait une petite to-do list. Et j'ai énormément de tournages à faire. J'en ai 5. Donc il faut que je les fasse. Donc la vidéo room tour arrive. Voilà, ça arrive. Donc, 11e fait. Mais les désirs que je souhaite faire en métier, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça. Alors, je souhaite être maîtresse, écrivain ou journaliste. Donc, en fait, écrivain, journaliste, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, ça rentre dans ça. Enfin, c'est pas la même chose, mais je veux dire, quand on est journaliste, on écrit un article. Donc, c'est un peu être écrivain en étant journaliste. Donc, soit maîtresse, soit journaliste. Donc, c'est un peu opposé. Parce que, en fait, c'est pas vraiment opposé, mais un peu parce que, vous voyez, donc là, ça c'est maîtresse, ça c'est journaliste. Il y a toujours le fait d'avoir envie d'apprendre aux gens, etc. Mais c'est un peu différent. Donc voilà. 12e fait, je vais presque 2 fois par an à l'hôpital parce que j'ai souvent des angoisses, etc. Donc 13e fait, je suis une personne de nature très angoissée.
Je stresse tout le temps, chaque éval avant d'aller au collège, etc. 14e fait, j'ai fait une phobie scolaire. Fin 6e, toute la 5e, j'étais en phobie scolaire. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Phobie scolaire, c'est quand vous avez peur d'aller à l'école, vous ne voulez pas y aller, vous vous rendez malade à cause de ça. C'est vraiment horrible, mais ça se soigne. Allez voir des psychologues, faites école à la maison. Moi, non, je fais pas. Mais ça peut être des pistes. Et voilà. Ok, j'ai regardé un peu les vidéos, c'est pas très agréable parce que je parle tout le temps, je suis là, nanana. Donc désolée si la vidéo elle est pas ouf, mais comme je vous l'ai dit, je suis malade, mais il faut quand même que je fasse des tournages. Donc oui, malgré le fait que je suis fatiguée, je vous fais quand même des tournages. Donc là, je suis au 15e fait, et le 15e fait, et je sais plus. Ok, donc le 15e fait, c'est que je suis super sociable. J'ai toujours été super sociable, mais en soi, là, je le suis vraiment plus qu'avant. Dès que je vois une personne seule, etc., je vais vers elle, ce qui m'a énormément aidée vraiment cette année. Parce que, en fait, je vous expliquais que l'année dernière, j'ai eu du harcèlement, en fait. Tu as une fille qui a perdu son téléphone et on m'a accusée. Voilà, tout simplement. Hein, je vous le dis clairement. Mais bon, moi, je m'en fous parce que je sais que c'est pas moi, etc. Mais ça m'a vraiment aidé cette période parce que j'en suis ressortie plus forte en fait de ce harcèlement, je m'en suis ressortie vraiment plus forte. Donc, ouais, donc ça m'a permis de me sociabiliser un peu plus. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées vers moi dû à ce. Parce qu'ils ont dû voir en fait que j'étais harcelée l'année dernière. Donc, voilà, par deux filles en particulier, mais je vais pas citer de nom dans cette vidéo parce que franchement, ça sert à rien. 17e fait. J'adore YouTube, Insta, TikTok. J'adore faire des vidéos, parler aux gens, etc. Je suis super bavarde. Je suis de nature très, très, très bavarde. Donc, je parle tout le temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis lancée sur YouTube. D'ailleurs, je vais faire une vidéo explication pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre pourquoi j'ai cette chaîne et pourquoi j'ai pas arrêté cette chaîne en fait. Donc, vous allez voir qu'elle était censée être arrêtée, mais j'ai pas arrêté. Voilà. Attendez. 18e fait, j'ai des bagues. Ouais, on adore. C'est incroyablement moche. Donc j'ai des bagues. Je vais les garder encore 2 ans. Normalement, c'est une baille dans la bouche là. C'est trop moche en plus. C'est vraiment pas esthétique. Les bagues, c'est vraiment dégueulasse en vrai. Je me rends compte. Mais ça fait mal en plus. Bref. 19e fait, je tombe tout le temps malade, je suis super souvent malade. Voilà, youpi, vous le voyez actuellement. Je suis souvent malade, j'ai souvent mal au ventre, etc. Bon, ça, je vous l'ai dit. Mais en fait, ça rejoint que je suis très très souvent malade. Et 20e et dernier fait, mes parents sont séparés. Voilà, tout simplement, j'ai plus mes parents qui sont ensemble. Ça arrive vraiment souvent, mais c'est quand même un fait. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et vous pouvez partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt! Je vous envoie des bisous, mais je suis malade, donc ça, vous n'allez pas attraper mal à cause de mes bisous.